Salut à tous! Alors une petite vidéo d'intro pour cette chaîne YouTube parce que je n'ai pas posté depuis des mois et des mois, même des années j'ai envie de dire. Je sais que peut-être certains savent qu'il y avait autrefois des vidéos ici, ce qui s'appelait les thèses et décolletés. C'était moi et Petite Étoile, on faisait des conneries à deux sur un canapé avec des décolletés plongeants et en mode de fun et à moitié drôle. Malheureusement, ces tests ont été mis en privé, tout simplement suite à une vague de commentaires assez hargneux. On a un peu été signalés et tout, donc j'ai préféré planquer ça de façon pas courageuse du tout. Comme elle est très 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 loin de moi, puisque j'ai fait une infidélité à la bière belge en déménageant en Bretagne. Du coup, comme il y a 600 km d'écart, on peut plus tourner ensemble. Et puis concrètement, il faudrait vraiment arrêter d'être amateur tout en bas pour essayer de faire vraiment quelque chose de potable. Du coup ici, si je refais une vidéo, c'est qu'il va de nouveau avoir du contenu sur cette chaîne. Beaucoup moins drôle, j'espère beaucoup plus intéressant, et ce sera surtout sur l'univers du cosplay, des costumes, parce que je fais des études en langue de couture, je fais beaucoup de cosplay. Maintenant ça fait presque 4 ans que j'en fais, je pense, vraiment de façon très active. J'ai acquis une certaine expérience et du coup maintenant j'ai vraiment un peu de matos, de l'expérience, j'ai testé, j'ai fait beaucoup de conneries, beaucoup de cosplay ratés, certains réussis, et du coup je me dis que parfois c'est des trucs tout con, ça a l'air super simple, c'est une idée comme ça qui pop dans ta tête, t'essayes et ça fonctionne. Et des fois on la passe, cette petite idée qui pop, ou on va la voler chez les autres. Et c'est pour ça qu'ici je vais vraiment partager un peu mon expérience, mes trucs, pas vraiment des trucs en fait, tout ce qui serait vraiment banni des études de couture parce que c'est pas bien, c'est pas dans l'ordre des choses, ça suit pas le patron. Mais en soi ça fonctionne, donc moi j'ai vraiment essayé de vous montrer des choses qui sont pas forcément instinctives mais qui fonctionnent tout de même. Donc ici sur cette chaîne, vous allez avoir des tutos sur des petites robes, des petits vêtements faciles, rapides à faire. Hop, vous avez rien à vous mettre, vous avez 2 mètres de tissu, hop, une heure plus tard vous avez des nouveaux habits. Donc il y aura des tutos avec des vêtements, des petites robes, des petites jupes, des petites choses vraiment hyper faciles à faire. Quand je dis hyper facile, ça prendra jamais moins d'une heure, même quand c'est la première fois qu'on le fait. C'est des trucs pour lesquels tous mes profs de couture me tueront parce que c'est pas dans les normes et tout. Ça fonctionne, c'est pratique, ça dépanne, j'ai envie de dire, why not. Vous aurez aussi vraiment des tutos sur des cosplays généraux, genre des yukata, des faire une robe à traîne, comment faire une grande capuche. Vraiment des choses qui reviennent hyper souvent dans les cosplays. Dont le patron coûte entre 15 et 20 euros et t'as pas envie de les payer, ce qui est normal. C'est des petits trucs et astuces, des petites choses hyper simples, où de nouveau j'enfreins toutes les lois de la couture, mais ça fonctionne, j'arrête pas de le dire, je vais sûrement le répéter en permanence, ça fonctionne, donc pourquoi ne pas essayer, pourquoi ne pas se simplifier la vie pour une fois. Et puis il y aura d'autres vidéos qui seront tutos, qui seront vraiment là par contre par playlist parce qu'elles seront nombreuses. Ce sont vraiment des plus gros costumes et j'ai vraiment envie de montrer la totalité du costume au moment du making of. Par exemple, ici j'ai bientôt entamé un énorme projet qui va faire un croisement entre DC et Mass Effect. Et j'aimerais énormément montrer toute l'évolution, tout le travail, les détails pour aussi vraiment montrer que des fois un costume ça a l'air simple. Mais il y a 1000 détails pour le rendre réel en fait. Et que c'est pour ça que ça prend du temps, tout simplement. Justement, dans ce genre de playlist, il y aura une playlist tournage JDG, parce que oui, je squatte totalement leurs vidéos en tant que espèce de costumière, cosplayeuse costumière. Quand ils ont besoin d'un costume en dernière minute, il faut quelqu'un qui puisse le faire sans trop péter un boulon. Sans trop, hein. Faut bien faire flash là, parce que sans trop, parce qu'on pète toujours un boulon quand on a 2 jours pour faire un costume. Et maintenant j'aimerais vraiment à chaque fois un petit peu filmer, un tout petit peu en tant que making of pour montrer un peu l'arrière du tournage en fait. Et par exemple dans les prochaines vidéos évidemment à venir à ce niveau là, ce sera la RPG numéro 3 sur laquelle je me suis un peu défoncé la gueule, l'esprit, le corps, tout, j'en cauchemarde encore le nombre d'heures que j'ai bossé. C'est surtout une aventure dans laquelle j'ai embarqué notre ami OVNI là, qui est juste derrière la caméra qui est en train de se moquer de moi à mon avis. Et du coup j'aimerais vraiment chaque fois un petit peu montrer des fois des détails en fait, des costumes et ce genre de choses. À mon avis ce genre de vidéos seront peu fréquentes parce qu'il y aura peu de costumes intéressants vraiment, et ce sera sûrement ce sera aussi peut-être une petite base pas complète puisqu'à chaque fois les JDG Event créés par Cladal. Et à chaque fois, je ferai un petit live sur les costumes, faire un récap des 6 derniers mois de costumes JDG. Et à mon avis, ce petit live viendra aussi sur la chaîne pour compléter cette liste-là.
Et toujours dans les making of, chaque fois que je vais essayer de partir en shoot, à l'aventure ou dans une convention, je me dis que ce serait vraiment pas mal d'avoir une petite caméra pour montrer un peu comment ça se passe dans les conventions, comment ça se passe sur un shooting photo, que des fois ça peut vraiment être la galère, qu'une photo donne hyper bien, mais toute cette photo a une histoire palpitante. Les plus belles photos généralement sont celles qui ont été les plus galères à prendre, où tu es en équilibre, où on voit pas le pied qui est à moitié mal posé, où ça t'est tombé dans une flaque d'eau. Tout ça, c'est des moments hyper drôles à montrer en shoot. Voilà. Et du coup, cette vidéo va devenir très très longue là maintenant. Et du coup, ouais, c'était pour vraiment faire le lancement de la chaîne qui va arriver. Je vais essayer de vraiment publier de temps en temps des vidéos. Il n'y aura pas vraiment de calendrier slash autre. Voilà.